Hey, salut à tous et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous lancer une nouvelle série de vidéos pour vous parler de différentes espèces de plantes d'intérieur qu'on voit très régulièrement sur les réseaux sociaux. Et je vais principalement vous présenter ma collection à moi. Et cette fois-ci, je vais commencer par les Calathea, donc celles que j'ai en plus grand nombre actuellement chez moi. Et donc je vais vous faire toute une petite série sur chacune, la façon comment je les entretiens régulièrement, les nouvelles arrivées et tout ça, comment on dit. Voilà, tous les petits détails nécessaires pour bien s'occuper des plantes. Comme beaucoup de monde, j'ai pas forcément les bonnes conditions pour les maintenir chez moi. Ce sont des plantes tropicales qui ont besoin de taux d'humidité extrême qu'on ne peut pas avoir dans nos intérieurs. Seule chose qui peut arranger, voilà, c'est la porter un minimum, le strict minimum possible et vivable pour nous. Donc, je vais également vous montrer, en plus d'un petit peu vous parler de l'entretien, montrer par exemple comment j'entretiens les feuilles. J'ai deux méthodes, donc une que je préfère et que jusqu'à maintenant je vois des résultats très intéressants que je vous proposerai. Et après, il existe plein d'autres méthodes, je ne vais pas forcément tout les énumérer parce que je ne les connais pas toutes, je ne les ai pas toutes testées. Donc voilà, c'est parti pour la présentation de mes Calathea. Donc comme vous pouvez voir, j'ai un petit chien avec moi. Je vous présente Lilou. Elle vient faire la vidéo avec moi, je pense. Comme vous pouvez voir, je suis complètement entourée de tous mes Calathea et pas que. J'ai intégré une Maranta et Sténanthe également parce que ce sont des plantes de la même grande famille de toutes les Maracantacées. Et donc je les ai intégrées parce que comme j'ai pas énormément d'exemplaires différents à vous présenter, ça ferait un petit peu petite vidéo très simple, très basique. Donc je les ai intégrées vu que c'est la même grande famille, que la maintenance, l'entretien est exactement le même. Et comme ça, voilà, ça fera une plus belle vidéo pour vous parler de tout ce petit monde. Pour tous ceux qui ont déjà vu mon plante tour, bien sûr vous les avez aperçus, pas toutes parce qu'il y a des nouvelles suite à des échanges. Et donc que je ne connais pas tout à fait encore, vous allez voir, elles sont toutes petites encore, donc j'apprends à les connaître. On parle souvent du caractère des Calathea, qu'il y en a des très capricieuses dans la collection, donc moi je teste. Celle que j'ai depuis beaucoup plus longtemps et celle que je viens tout juste de voir. À vous de me parler dans les commentaires, n'hésitez pas. À venir me donner des conseils supplémentaires si vous avez d'autres petites astuces pour améliorer leurs conditions. Donc je vais commencer, je ne sais même pas par quelle. Oh, on va en échelle. Alors derrière moi, je ne sais pas si vous allez voir, je vous mettrai la fameuse photo où je la porte dans mes bras. C'est mon gros bébé que j'ai depuis pratiquement 2 ans. Donc c'est la Calathea orbifolia. Qui est immense. Elle souffre un petit peu là. En ce moment, j'ai des petits bouts de feuilles un peu jaunis parce que j'ai été en travaux dans ma salle de bain et actuellement, je n'ai plus la place pour l'installer dans la salle de bain. Donc, elle est passée dans ma chambre et les conditions sont moins agréables parce qu'elle n'a pas un taux d'humidité plus élevé que dans une salle de bain. Et donc, du coup, elle souffre un petit peu, mais quand même, ça va. Elle se porte assez bien. Donc, qui est la très grande derrière. Après à côté, la fameuse Calathea que je n'arrive jamais à prononcer, Calathea zwarzyski, il me semble que c'est quelque chose comme ça, je me rapproche, j'essaie de m'entraîner. Idem, elle, je pense qu'elle a manqué un petit peu de nutriments, alors ça c'est un petit point à relever et que j'apprends avec le temps, c'est que les Calathea sont très gourmandes en nutriments. Et donc, malgré qu'on vient de les rempoter récemment avec du terreau tout neuf et surtout bonne qualité, parce qu'attention, les terreaux tous ne sont pas valables pour les plantes d'intérieur, même si ces terreaux universels, ils ne contiennent pas forcément les apports nécessaires pour le type de plantes d'intérieur. Et donc, j'ai appris qu'elles sont très gourmandes en nutriments et qu'au bout de même
pas 3 mois, il faut commencer à ajouter de l'engrais pour leur donner le nécessaire pour qu'elles continuent à bien grandir et être belles. Donc vous voyez, et j'ai quelques jeunes feuilles qui sont sorties et que actuellement elles ont des taches, elles ont des petits soucis. Ce ne sont pas des parasites, j'ai vérifié, c'est vraiment manque de nutriments. Et ça, je vais essayer de vous mettre une petite photo de ce côté-là. Très intéressante, je trouvais sur internet, tu indiques en fonction des taches, des dégâts qui apparaissent sur les feuilles. Ça peut être. Ils vous indiquent les nutriments qu'ils en manquent. Donc il y a le fer, du phosphore, il y a plusieurs nutriments qui peuvent manquer et que c'est assez compliqué à apporter. Donc. Ce qui va indiquer au niveau du bon choix d'engrais à fournir à vos plantes. Il y en a qui sont très complets, d'autres sont beaucoup plus limités, donc il faut faire très attention à ça. Idem, peut-être prendre des pas chers et ça se transformera plutôt en poison qu'en soin pour vos plantes. Après, je mettrai une photo aussi que vous la voyez mieux qui est derrière, la trouve un peu cachée. C'est ma deuxième Calathea. C'est une Calathea Maui Queen que j'ai acheté dans un petit supermarché à côté de chez moi. Et idéalement, là, elle manque un peu d'humidité dans la pièce où elle est. D'habitude, c'est une pièce non chauffée qui reste quand même plus humide. C'est mon entrée. Mais là, elle a un peu de mal. En plus, je l'ai rempotée parce qu'elle a commencé à être serrée dans son pot. Je l'ai divisée en. Au printemps pour la aérer un petit peu et du coup elle souffre un petit peu mais j'ai fait un apport d'engrais, je pense que bientôt ça ira mieux. Alors parler de ça, je vais déjà attaquer pour les engrais. J'ai des engrais liquides, divers engrais, et là je teste un nouveau produit Undergreen Nutri Plus, que c'est de Algo Flash. J'utilise très souvent leur terreau et là je teste les engrais que je connaissais pas, et donc c'est un granule celui-là. Il sert donc longue durée et il y a énormément d'apports en fonction des plantes. Ce qui est très important, c'est d'indiquer, de bien regarder la composition en fonction de ce que vos plantes elles ont besoin plus ou moins. Donc c'est un produit que je teste, je ne connais pas encore, mais je vous donnerai des résultats dans quelques semaines, dans quelques mois, en fonction de je veux voir comment elles vont évoluer là-dessus. Alors, après les trois grandes derrière moi, on va continuer. Alors, ici, la fameuse Stromanthe. Alors, on l'appelle Calathea parce que tout se ressemble un petit peu, donc. On appelle Calathea Stromanthe Triosta parce qu'elle a 3 couleurs, donc elle a du blanc, du rose et du vert, voire plusieurs nuances de vert. C'est peut-être ma deuxième Calathea qui est arrivée. Elle a déjà été divisée 2 fois, donc c'est pour ça que pour l'instant elle n'est pas très 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 grande. Et donc voilà, c'est pareil, reste dans. Elles sont toutes mes préférées, mais celle-là peut-être reste dans le top 5 de mes préférées. Et à côté, donc celle que vous connaissez très bien aussi, sa cousine Stromanthe Magic Star, donc Triosta Magic Star. Donc comme vous pouvez voir, elle se ressemble à C pour certaines feuilles, parce qu'elle a des grosses marbrures rosées blanches, mais elle est plutôt verte avec des taches et des petites rayures claires. Elle est toujours de couleur rosé pourpre, on va dire, derrière. Et donc elle n'est pas en très bon état parce que vraiment je l'ai prise et je l'ai achetée au moment de l'ouverture des jardineries pendant le confinement. Et elle m'a fait tellement de peine de la voir avec des feuilles. Donc elles ont souffert un manque d'arrosage, trop d'exposition au soleil, parce qu'en plus il a fait très chaud en Bretagne pendant le confinement. Donc elles sont dans les zones serres des jardineries, ce qui a été pas fatal mais presque, parce que beaucoup de feuilles sont abîmées, sont brûlées. Et par contre, elle a été rempotée immédiatement. Et là actuellement, je n'ai 1, 2, 3, 4.
4, 5, 6 nouvelles feuilles qui sortent, vous voyez. Et encore, je l'ai divisé au rempotage déjà. Voilà. Donc, je pense petit à petit, je vais éliminer toutes les feuilles qui sont très abîmées. Et pour garder vraiment celles qui sont saines et qui sont belles. Alors, ce qui est une autre chose que j'adore chez la Magistar, c'est qu'on peut trouver des taches qui ne sont pas blanches, mais vertes très claires. D'ailleurs, et je l'ai vu sur Internet, une où les marbrures ne sont pas du tout blanches, mais vert foncé et vert clair. C'est tout. Et encore dans la même famille, celle-là, je ne l'avais jamais vue jusqu'à il y a peu de temps, où je l'ai croisée dans la jardinerie où j'ai l'habitude d'y aller. C'est une stromante sanguine. Alors, j'ai fait des recherches sur Internet, il y a très peu de noms. Je vous ai parlé d'un plantour aussi. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations au sujet de son nom. J'ai trouvé en faisant des recherches sur des sites spécialisés botaniques ils en parlent de sanguine et thalia également. Donc soit c'est stromantalia, soit sanguine thalia, on ne sait, je ne sais pas trop. Je l'ai regardée souvent dans la jardinerie, j'hésitais parce que bon, elle n'a pas de taches, elle n'a rien spécial. Toujours ce côté des feuilles rosées. Mais c'est ce vert qui n'est pas normal avec plus des taches, la ligne blanche au milieu. Donc je trouvais très belle et je l'aime de plus en plus. C'est bête. Mais des fois, c'est les plantes comme ça qui ne payent pas de mine et qui nous attirent le plus. Donc rempotée également et elle a actuellement déjà deux nouvelles pousses qui sortent, plus une en milieu. Donc elle n'arrête pas. Elle se plaît. Donc elles sont toutes derrière ici, mon canapé. Donc elles ont une exposition ombragée, mais assez lumineuse quand même. Donc avec une grosse baie vitrée, la fenêtre que j'ai en face et un Velux qui est au-dessus de l'escalier. Donc pas de luminosité vraiment directe, mais beaucoup de lumière tamisée. J'ai l'impression qu'elles adorent ça. Après, je vais partir... Il y en a tellement, je ne sais même pas d'où tourner la tête. Bon, on va commencer par devant. Alors, on change un petit peu de domaine. Celle-là, je l'ai depuis un moment. C'est donc une Senante amagri. Ce n'est pas le nom complet. Je vous donne le nom plus simplifié. Pardon. Parce que sinon, le nom il est plus long. C'est pareil, j'ai craqué sur un petit bébé, un petit bambino et elle m'a fait un comble de bonheur parce qu'elle est adorable, je la trouve super jolie et j'ai déjà divisé tout ça et elle arrête pas de pousser. C'est très bien. Alors ici devant, que je ne sorte pas trop du champ des caméras, ici devant j'ai une Maranta. Maranta, Leuconeura, Kershovena, il me semble que c'est son nom. De toute façon, vous aurez les noms au fur et à mesure qui vont passer. Petite barre d'infos pour que vous ayez le nom exactement, l'orthographe exacte. Donc, ça, c'est une bouture d'un échange avec une personne, une autre passionnée. J'ai hésité longuement et franchement je regrette pas parce qu'elle est très très jolie. Bon là elle a un petit peu ses couleurs, vous voyez, généralement sont plus étaches, plus foncées, mais là elle a un petit peu souffert du voyage. Malheureusement tout ce qui est les services de livraison sont encore un petit peu au ralenti, donc les colis mettent plus de temps à arriver et donc elle a un petit peu souffert, mais je suis contente parce qu'elle a plein de nouvelles feuilles qui sont rouvertes déjà, donc elle a déjà été rempotée. Je mets toutes dans des pots plastiques, dans les cache-pots, avec celui-là, il faut que je nettoie, souvent avec des billets d'argile au fond pour leur garantir le terreau frais et un certain taux d'humidité. Ici, celle-là, je ne vous avais pas montré encore, je pense pas, parce qu'elle était dans mon granier en quarantaine comme la plupart de mes plantes qui arrivent. Elle est toute petite encore, hein. Je n'ai pas réussi à trouver dans mon secteur en jardinerie un plus grand format. Je pense que c'est en fonction des arrivages, des saisons, des périodes. Mais j'ai fait un échange avec une autre passionnée
Et Fanny, si elle regarde mes vidéos, elle comprendra de qui je parle. Donc c'est une Calathea Makoyana. Pardon. Donc c'est une petite bouture trop mignonne. Elle m'a fait et j'ai déjà des plein de petits bébés qui me sortent. 1, 2, 3. Et il fait maintenant 3 semaines que je l'ai reçu. 2 semaines à peu près. Je l'ai reçu et vous voyez déjà, voilà, elle est contente. Tous les matins, je les vaporise pour qu'elles aient leur dose. Des fois, un peu le soir quand j'oublie le matin. On m'a déjà déconseillé, pour l'instant j'ai pas vu de changement, mais on m'a déconseillé de vaporiser le soir. Alors je ne les douche pas, je les vaporise, ce qui n'est pas la même chose. Vaporiser, c'est vraiment brumiser sur les feuilles avec votre pchit-pchit. Et chose qui va, cette eau va s'évaporer assez vite. Si vous la douchez, il y aura tant le terreau très humide comme les feuilles, il y aura beaucoup d'humidité et apparemment c'est pas très bon la nuit. Alors, une autre nouvelle arrivée, pareil d'Elme, un échange avec une autre passionnée. J'ai pareil longuement hésité sur celle-là parce que j'adore les fleurs, les plantes noires, mais à l'extérieur et à l'intérieur, j'hésite toujours parce que j'ai peur qu'elle disparaisse dans la décoration. Une plante, c'est vrai qu'en plus d'apporter quelque chose au niveau de l'ambiance de la maison, elle apporte aussi de la déco. Donc, et noir, des fois, malgré que c'est très blanc chez moi, noir, ça peut voilà, vite disparaître. J'hésitais, mais j'aime tellement toutes les Calathea que du coup, je dis, allez, tentons l'aventure avec celle-là. Donc c'est une Calathea Doty, je vous mets encore une fois, je vous donne le nom réduit, le plus facile, qu'on connaît plus facilement. Je vous mettrai le nom complet en bas. Il existe deux sortes, je me suis aperçue en discutant avec une autre passionnée, qu'il existe deux sortes. Il y a la Doty et la Rosio Pica Princesse. Ça doit être ça. Je vous mettrai peut-être un exemple, une photo pour comparer les deux. Donc celle-là, elle est noire avec le liseré rose fin. Et existe la même façon médaillon noir, un liseré rose mais beaucoup, beaucoup plus large. Et donc ce sont deux différentes et pas la même qui dégénère. Je m'aperçois en regardant de plus en plus de photos et en discutant avec d'autres passionnés. Alors, mettre une autre. J'essaie d'être rapide et d'aller vite, désolée, parce que j'en ai tellement et j'ai plein d'autres choses à vous parler. Je refais encore une vidéo 40 minutes, je vais finir par vous perdre. Donc je préfère aller un peu plus vite et éviter de diviser la vidéo en deux, comme je l'ai fait, même en trois pour le plan de tour qui était trop long. Alors ça c'est la fameuse que vous avez vue idem dans le plan de tour, Calathea Flamestar. Donc vous n'avez pas les feuilles complètes malheureusement parce qu'elle est tellement abîmée que j'étais obligée de couper énormément de feuilles et plus couper les parties abîmées pour éviter de trop l'épuiser. Et donc elle fait un séjour traitement contre des cochenilles farineuses, donc elle était remplie et j'ai réussi à débarrasser. Et elle se porte assez bien parce qu'elle avait finalement une très bonne base de racines. Je pense que c'est une plante très très grande taille. Et elle a souffert idem au confinement sous une verrière dans un magasin de bricolage qui l'a grillée complètement. Elle a quand même survécu. Et vu que les racines n'étaient pas ni sèches ni pourries, donc j'ai pu la faire repartir sans problème et même diviser. J'ai des petits bébés en courroux de pouce aussi. Et là, on voit bien, je n'ai une, deux, trois, quatre, cinq. Et la sixième, que je l'avais vue au rempotage, la sixième feuille qui sort, qui est là, à l'intérieur. On la voit à peine. Effectivement, il y a bien six. Qui sort. Donc je croise les doigts, idem, elle est avec toutes les autres dans la même pièce, donc à la salle de bain. Et j'espère qu'on va pouvoir avoir des photos après, et même que je vous la présente une fois que toutes les feuilles seront ouvertes pour qu'on voit bien sa beauté. Elle est très ressemblante à la médaillon, sachant qu'elle a des feuilles beaucoup plus longues que la médaillon,
qui sont beaucoup plus rondes. Même si, vous voyez, les dessins, ils ressemblent beaucoup. Donc, à suivre. Ça, c'est une autre nouvelle bouture. Celle-là, c'est plutôt une bouture, une division d'une plante de quelqu'un de la famille. Que j'ai en cherché depuis un moment et à Truffaut ils en avaient des très jolis finalement pas très chers et on avait pris une et elle était tellement grande qu'on a divisé. Donc ça c'est Calathea ornata, très fameuse Calathea avec ses feuilles dessinées. Parce que quand on regarde vraiment en détail, on dirait qu'il y a vraiment des traits qui ont été faits sur les feuilles. Ce qui est génial. Toujours ce détail des feuilles pourpre hein, derrière. Alors le pourpre, il est plus ou moins intense en fonction des conditions de maintenance de la plante. Alors, une qui n'en a pas, je ne vous ai pas montré. Elle a pas, peut-être vous avez vu, Macoyana. Mais c'est parce que les feuilles sont jeunes. Vous voyez, celle-là, il y en a un petit peu. Mais il existe des Calathea où elles n'ont pas de pourpre derrière. Ça, on va y arriver. Donc, il y a déjà une très belle pousse. Elle vient d'être rempotée. Je pense qu'il y en aura une feuille qui sortira bientôt. Au rempotage, je l'ai vue près de la racine. Donc, un autre bébé que j'adore, de plus en plus d'ailleurs, qui est venu rejoindre. Il reste toujours le même côté. Une nouvelle arrivante aussi, ça c'est Léa de Facebook avec qui j'ai pas mal échangé sur les Calathea, les deux dernières de Calathea. Et elle a cette très belle White Star, Calathea White Star, que j'en rêvais aussi depuis longtemps. Je l'avais vue à Truffaut une fois, malheureusement elles sont très chères, il faut dire ce qui est. Et quand on investit sur une plante de grande taille, et si chère surtout, on a toujours peur si on n'arrive pas à la maintenir. Bah, c'est quand même des frais, un certain coût. Donc je préférais attendre un peu que quelqu'un soit faire un échange avec une bouture, soit de trouver un plus petit modèle, un petit peu moins cher, comme ça voilà, on est un peu moins dégoûté. Parce que j'en ai perdu d'autres plantes. Et que j'ose même plus les prendre parce que d'une je payais un petit peu cher et je les ai perdues si vite que j'ose plus les prendre. Donc celle-là est dingue aussi comme plante. Enfin, elles sont bien touffues, c'est impressionnant. Alors un truc qui est drôle, c'est quand les feuilles commencent à être... alors elle est toute jeune celle-là, mais j'ai vu que souvent c'est des feuilles... Alors, soit c'est génétique, dites-le-moi, expliquez-moi comment ça fonctionne. Moi, j'ai l'impression que c'est soit quand les feuilles sont un peu âgées, soit les nouvelles feuilles, elles sont tachées de rose aussi dans les rayures. Et j'ai l'impression que ça disparaît avec le temps. Voilà. Donc, il y a une belle bouture qui est là, qui vient d'arriver. Et on passe à cette côté maintenant. Là, idem, un échange avec une autre passionnée. Pareil, une autre plante que j'arrive pas à trouver ici dans la région. Je pense que c'est par moment, par période. Il y a un moment donné où je l'ai vue souvent. Je n'ai pas pensé, je pense que j'étais pas trop dans ma période de plantes vertes. Et je n'ai pas pris. Et maintenant, on n'en voit plus. Donc là, on a la Calathea Network, non simplifiée et plus commerciale. Et son nom, donc Calathea Mosaica. Et vient d'un échange, c'est une petite bouture d'un échange d'une autre, d'une passionnée. Et je suis contente parce qu'en fait il y a deux pieds, chaque feuille c'est un pied différent. Et en plus il y a une toute petite nouvelle feuille qui me sort là. Donc elle a l'air de se plaire, elle est bien sportive. Et c'est une plante pareil, très très curieuse par rapport à son graphisme sur les feuilles. Par contre elle n'est pas pourpre derrière, elle restera verte. Alors, j'ai toujours eu un doute, je me posais des questions, j'avais peur de la prendre aussi. Parce que je voyais les feuilles comme ça plier. Et souvent, chez les Calathea à large feuille, quand les feuilles commencent à se plisser comme ça, c'est signe qu'elles ont chaud, qu'elles ont soif. Et pour moi, je me disais que c'était un signe d'une plante très très fragile. Donc, dites-moi, racontez-moi comment vous faites vous pour l'entretenir, maintenir la vôtre, les soucis que vous avez trouvés. Je suis curieuse de savoir parce que moi c'est un tout petit bébé encore, donc j'ai envie qu'elle devienne aussi grande que mademoiselle derrière. Et donc voilà, je suis ouverte à toute explication. Alors
Ici, je veux donc une stainante. Donc, on change de cadre à nouveau. Une stainante. Donc, c'est la cousine de la stainante Amagri. Ça, c'est la stainante Burle Marxi. Idem, j'ai hésité longtemps à la prendre parce que je trouvais très simple, mais finalement je l'aime bien. Elle est très graphique, encore une fois, comme la plupart des Calathea. C'est ça qui est beau, qui nous plaît beaucoup à tous les passionnés. Voilà, j'hésitais un peu à la prendre et finalement j'ai craqué suite à un échange d'en prendre une. Et franchement, je l'adore. Elle est très très sympa. Et comme je réussis la Magri, donc je me suis dit on va se lancer dans celle-là aussi parce que pareil, on la voit pas très souvent. Les dernières fois que je l'ai vue en jardinerie, c'était en façon Cocoama. C'est une nouvelle façon qu'ils ont de maintenir des boules de sphaigne, des mousses. Et je connais pas très tout ça. C'est des méthodes japonaises, mais les Japonais, pour ça, ils sont très doués pour les plantes. Et nous, les Européens, beaucoup moins. Donc je pense que c'est très joli, très amusant, mais quand on ne connaît pas vraiment la bonne maintenance des plantes, il faut faire très attention parce qu'on peut vite la tuer. Et voilà. Pareil, encore un échange, encore une bouture que j'ai fait. J'espère qu'elle va bien tenir aussi, comme celle-là, parce que finalement, elle est très 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 facile. C'est peut-être une des plus faciles que j'ai. Donc j'espère, là elle est un peu mal en point parce qu'elle a souffert idem du voyage. On repasse dans les Calathea. Alors, encore un échange tout récent. C'est une Calathea qu'on n'en voit pas habituellement, ou si on voit, on la regarde pas trop parce que c'est vrai qu'elle n'est pas impressionnante, mais je pense qu'à la longue elle va grandir, elle peut devenir très très belle. Ça c'est normal, c'est une petite feuille qui a su faire un peu du voyage, mais tout va bien pour elle. Donc ça c'est la Calathea Freddy, qui ressemble beaucoup à certaines sténantes et d'autres Calathea, à ne pas confondre avec Leopardina, avec des sténantes et tout ça. Alors là elle est enfin, mais c'est la première que j'ai comme ça, elle a fleuri. Elle m'a fait des jolies fleurs blanches. Là, c'est la fin, il n'y a plus rien. Et je suis étonnée, un matin, je me lève, je vois des petits bouts blancs. Je croyais que c'était une nouvelle feuille qui arrivait. Et pas du tout, c'est des fleurs. Par contre, oui, j'ai une nouvelle feuille qui arrive, effectivement. Mais c'est des fleurs. Donc, les Calathea fleurissent, comme les sténantes, comme les stromantes, comme les marantas, qui n'ont pas tout à fait les mêmes fleurs. Donc vous voyez, après c'est pas ça, on ne les garde pas pour les fleurs, ça c'est sûr. Donc ça c'est un autre petit échange. Ici on a un autre Calathea, et celui-là c'est pareil, il y en aura de quoi en parler, parce que, idem, à force de faire des recherches sur internet, je me rends compte qu'ils sont minimum... Alors, soit c'est les jardineries qui donnent des noms commerciaux, mais ce que je me suis aperçue, c'est que sur un même site de vente de plantes d'intérieur, ils vendaient ce qu'on aurait dit la même plante avec trois noms différents. Donc, je pense qu'il y en a des différences. Celle-là, c'est la Calathea Ruffi Barba, mais existe d'autres. Donc la Wave Star, on leur donne d'autres, bien d'autres noms. Et il y aurait des couleurs différentes, des nuances différentes. Donc je me renseigne aussi sur celle-là. Pour moi, il restera Ruffi Barba de base. C'est ce que j'ai acheté. Mais on n'en reste pas là. Je me renseignais davantage. Parce que je me rends compte que... Alors je pense que c'est plutôt l'exposition. Mais vous voyez, le pourpre derrière est en train de disparaître là. Alors que j'en ai d'autres qui ont du pourpre très très foncé, des feuilles très foncées. Donc je pense que c'est plutôt l'exposition, qu'elle est beaucoup plus lumineuse dans la salle de bain et que du coup elle perd ce vert foncé que j'aime des Calathea. Je préfère franchement un vert beaucoup plus soutenu qu'un vert léger. Donc celle-là je l'ai achetée il y a déjà un petit moment, avant le confinement, longtemps avant, même je pense avant Noël. De petites boutiques Sostrenne. Que j'aime beaucoup, ils ont des choses très mignonnes et ils vendent parfois des petites plantes, des plantes en mini moyen,
Et donc vient de là mon pilea, vient celle-là. Il vient une de mes peperomia caparata, il vient de chez eux aussi. Ils sont pas très chers et franchement, ils sont très belles leurs plantes. Et là, je passe une maranta. Donc, la deuxième et toute première que j'ai eu maranta. Alors, vous inquiétez pas de la tête qu'elle fait, c'est normal, c'est l'heure. C'est l'heure de Mademoiselle Boud, on va dire ça, fait sa prière. Donc je l'ai achetée pas très grande à Truffaut et donc c'est la Maranta Leuconora tricolore et pas Fascinator. Parce que Fascinator, c'est un nom commercial qu'on leur a donné, mais je l'ai trouvé dans des livres. Même si le mot Fascinator revient dans les dans certains articles de botanique. Mais pour moi, c'est tricolore parce que cette Maranta existe actuellement, que je connais, commerciable, trois versions. Lemon Line, donc la même sans rose, elle est toute en nuance de vert. Et la Silver. Silver. Il y a quelque chose d'autre. Je vous mets le nom en bas aussi. Je peux rajouter les trois. Où elle a du vert très foncé et du argenté sur les feuilles. Et donc c'est là la tricolore parce qu'elle a trois couleurs. Donc elle a du vert foncé, du vert clair et du fuchsia rose en fonction de ses couleurs. Donc là elle pend, c'est normal, c'est une plante rampante avant tout. Je l'ai acheté un cache-pot rectangulaire pour essayer de maintenir ses tiges bien droites. Mais je n'ai pas trouvé l'intérieur, il est en métal. Je ne vais pas le mettre directement planté dans du métal parce que ça va rouiller. Et j'essaie de trouver un pot en plastique rectangulaire qui aille à la taille. Donc, elle sera rempotée donc, prochainement et je montrerai ce que ça va faire. Beaucoup de personnes ont tendance à les touturer, ce qui surtout pas. C'est une plante rampante. Donc, sa sève, son système de sève n'est pas prêt pour monter. Donc à la limite laissez-la retomber. Et donc si vous avez peur que les branches cassent, c'est préférable à ce moment-là de trouver soit un pot beaucoup plus grand, à la limite un grand cache-pot rond, carré. Il vous mettrait son pot dedans et vous mettrez des cailloux autour en déco. Soit rectangulaire, façon jardinière, en fonction des branches, comme elles de quel côté vont pousser, pour servir d'appui. Mais surtout pas la touturer vers le haut parce que j'en ai vu en très sale état parce que la sève n'arrive pas à monter correctement. Elles sont oppressées, maintenues et elles n'aiment pas du tout ça. C'est une de mes premières Maranta que j'adore. Là, elle fait sa prière du soir et un peu plus tard dans la soirée, c'est souvent le matin que je vois, elle va remonter, toutes ses feuilles vont être vers le haut. Donc vous voyez, ça fait tout est emmêlé dans tous les sens, ça part dans tous les sens. Donc les feuilles assez. Donc je les mets sous au bord d'une table de façon que ça, les feuilles sont bien dans le vide pour pas qu'elles s'écrasent. Vous voyez comme là, elles sont complètement écrasées. Donc la maintenance, je vais vous en parler, mais la maintenance est à peu près la même pour tout le monde. Donc c'est pour ça que je réunis tout le monde d'une seule vidéo. J'ai oublié. J'ai l'impression. Oui. Alors, deux nouvelles arrivantes. Celle-là, elle vient de chien particulier. Donc, j'ai déjà une toute petite que j'ai pas descendue. J'avais acheté une bambino qui a déjà bien grandi. Elle a 4-5 feuilles. Et donc, en particulier, je vendais celle-là. Alors, que je vous donne le nom. Calathea Beauty Star. Celle-là. Et que j'aime beaucoup, 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 franchement, aussi. J'aime bien ses nuances sur les feuilles et tout. Donc, elle a été rempotée, décrassue. Elle a un petit peu souffert du voyage, ce qui est normal pour toutes les plantes. Mais là, elle a l'air de bien se prêter. J'ai deux nouvelles feuilles qui sortent. Donc, ça a l'air d'aller. Donc, idem. Elle a le côté pourpre, l'arrière des feuilles pourpre, mais sur certaines, en fonction de son exposition, il devient vert et perd sa couleur. Donc pour moi, c'est qu'elle a eu trop de lumière, donc elle n'a pas apprécié. Et pour finir, je pense que c'est la dernière, j'ai fait le tour. Celle-là, c'est moi que je l'ai achetée
Et donc, Calathea médaillon, qui est très belle aussi. C'est pareil, comme toutes les autres, je les aime bien. Mais ce qui est impressionnant, voilà, c'est les formes des feuilles. Vous avez des très allongées, fines, des très très rondes, façon médaillon, des ovales, des voilà. Vous avez plein de formes de feuilles. Et c'est ça qui est super dans une collection. Elle est un petit peu souffert, idem. C'est toujours un peu les jardineries. Elles sont là exposées. Des fois, elles traînent longtemps. Elles sont un peu malmenées, pas les clients et tout ça. Et donc, du coup, elles souffrent un peu. Donc là, il fait une semaine que je l'ai. Et donc, ces feuilles sont un petit peu abîmées encore. Elle a été rempotée. Donc, on croise les doigts qu'elle va bien se porter. Alors, une chose à faire, c'est très important. On craque son plante en jardinerie. Prenez le temps de regarder toujours derrière les feuilles qu'il n'y a pas des parasites au niveau de leur peau. Limite, même si vous pouvez tirer un petit peu pour garder l'état des racines. Parce que moi, je me suis trouvée avec des plantes malades que je n'ai pas réussi à rattraper. D'autres malades que j'ai soignées mais qui m'ont contaminé bien d'autres. Et vous pouvez les rapporter par contre au magasin. Si vous trouvez qu'elles sont malades, vous trouvez les parasites, vous les ramenez au magasin, ils sont en obligation de vous les reprendre. Donc, mais bon, pas 15 jours après, parce que là, ils vont vous dire que c'est vous que vous avez contaminé. Donc, c'est le jour ou le lendemain. Mais pour éviter ces désagréments d'aller-retour avec les plantes, regardez directement au magasin, inspectez les feuilles, ça ne coûte rien. Vous les retournez et vous le voyez. Alors, petit moment de réflexion pour la suite de la vidéo. Entretien. Alors, vous avez pu voir au fur et à mesure, pratiquement tous mes Calathea, ils sont dans des pots terre cuite, pain non pain. Parce que j'aime pas trop le plastique à l'extérieur en termes de décoration. Je trouve qu'à la longue, ça réussit pas, c'est pas beau, c'est moche. Beaucoup, celles que je viens de recevoir, ils sont dans des petits pots en plastique. Souvent, j'achète du vélo. J'évite, alors je vous explique, j'évite les pots en terre cuite non peints. Pour la simple raison que, surtout en été, quand il fait très chaud, la terre va s'assécher beaucoup plus vite parce que la terre cuite est poreuse. Et donc, l'humidité va s'évaporer beaucoup plus vite. Et sachant que c'est des plantes qui ont besoin de beaucoup d'humidité, vous risquez d'être obligé de les arroser beaucoup plus souvent. Donc, d'avoir des oublis et qu'elles souffrent. Donc, pour éviter ça, moi, je préfère les pots en plastique. Par contre, les pots en plastique sont dans des pots en terre cuite, donc cache-pot. Et tous les pots, ils sont troués, des trous. Et certaines, pas toutes, toutes, elles ont un lit de billes d'argile. Donc, soit dans le pot, soit au fond de la coupelle. Pour garder un certain taux d'humidité. Et alors, vous allez vous rendre compte combien c'est important parce que j'ai beaucoup de plantes que j'ai rempotées et au bout de 2 mois, les racines sortaient en bas parce qu'elles allaient chercher à boire. Donc, ça veut dire que l'eau, elle passe à travers la terre, elle humidifie, le terreau va sécher petit à petit, mais l'eau reste en bas dans les billes d'argile, donc apporte l'humidité et la plante, elle crée des racines pour aller boire. Donc, votre terreau n'est pas en train de tremper dans l'eau, ce qui ne le pourrit pas, parce que le problème pourrissement des racines, c'est le terreau qui garde l'humidité, et c'est le terreau qui pourrit. Parce que sinon, on ne pourrait pas faire du hydroponie ou hydroculture, parce que sinon, les racines pourriraient dans l'eau, alors que ce n'est pas le cas. Donc, ce qui fait pourrir les racines, c'est l'excès d'humidité dans la terre, donc c'est la terre qui pourrit. Et automatiquement, qui tuent leurs micro-organismes qui sont dedans, qui pourrissent, et c'est ça qui pourrit les racines. Donc, il faut comprendre toutes ces étapes pour comprendre le pourquoi du comment de vos plantes, la façon de les maintenir, comment les cultiver, et au pourquoi du comment vous arrivez certains soucis. Donc, pour revenir à l'entretien, moi j'utilise du terreau AlgoFlash actuellement, ou du très bon terreau de plantes d'intérieur uniquement. Parce que souvent, il est mélangé avec la tourbe de la fibre de coco, noix de coco, poudre de coco. Et c'est du terreau très léger, très nutritif. Et s'il n'y en a pas, je rajoute un peu de perlite également.
qui aide à garder le terreau toujours aussi aérien et au niveau d'humidité qui libère vraiment très doucement. Il y a des fois quelques billes d'argile dedans qui se mélangent parce que je récupère la terre, machin, je fais mes mélanges. C'est pas très grave tant que c'est pas annexé. Ça continue à diffuser l'humidité en douceur pour les racines, la plante apprécie. Voilà. Donc celles-là, la plupart sont dans des pots en plastique avec des billes d'argile au fond pour l'humidité. Mais, alors beaucoup vont crier aux catastrophes, mais le résultat, s'il est là. J'ai certaines plantes, je ne sais pas si on va arriver à le voir avec celui-là. Alors, certaines, elles étaient plantées comme ça, je les ai changées pour des pots en plastique et je commence à regretter parce que finalement, ça allait très bien comme ça. Donc, toujours qu'on arrive à le voir. Des pots en terre cuite, on ne va pas le voir, pots en faïence, peint. Donc, pas de trou au fond, mais le fond, il est quand même, parce qu'il n'est pas peint le fond. Alors ça, c'est important à regarder. Parce qu'il y en a qui sont peints au fond, d'autres pas. Donc, si c'est de bonne qualité, généralement, ils ne sont pas peints au fond. Parce que comme ça, la terre respire à travers la terre cuite ou la faïence. Donc, il va respirer par en dessous. C'est pour ça que la plupart, après, je mets sous une coupelle. Parce que si je laisse comme ça, quand je l'arrose, l'humidité va passer à travers. Donc, si l'humidité passe à travers, c'est que le terreau, il respire quand même. Donc, et après, ça me fait des taches à l'endroit. Donc, je n'ai pas planté celle-là dans un pot en plastique. Je l'ai plantée directement. Donc, au fond, je mets un bon nid de billets d'argile, là, et je mets mon terreau dedans. Donc, elles vont avoir cette partie qui va retenir, servir de réservoir d'eau, de stock d'eau, et leur terre. Et donc, les racines, souvent, ce qui arrive, c'est quand je dépote, les racines sont déjà arrivées en bas, donc elles n'ont même pas commencé à faire le tour du pot, elles ont allé tout droit chercher de l'eau dans cette réserve. Et donc pour savoir un petit peu s'il y a assez d'eau ou pas au fond, généralement je tâte le fond, il est humide. D'ailleurs je regarde sur la main, il est humide. Et en plus de ça, parce que ça agit aussi, donc je mets dans une coupelle avec des billets d'argile au fond, et les billets d'argile restent humides continuellement. Et cette humidité, pareil, va passer par capillarité pour humidifier légèrement la terre. Et comme ça, garder le terreau, ce qu'on dit frais, on appelle frais, pas humide, frais. Méthode, parlons des arrosages. J'espère que je ne vais pas aller trop vite pour vous. S'il faut, je vous mettrai un petit résumé explicatif dans la barre d'infos. Pour vous montrer un petit peu, pour vous expliquer rapidement tous ces détails. Donc, moi, ce que je fais pour vérifier, j'ai pas d'appareil encore d'hydrométrie. Je pense m'en acheter un parce que c'est vrai que c'est pas très amusant d'être tout le temps en train de planter les doigts dans les pots. Et surtout quand on essaie d'avoir une belle manucure, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Et donc résultat, ça évite d'aller abîmer et casser les racines de la plante. Donc je pense m'en acheter un. Généralement, ce qu'il faut faire, et vous voyez, déjà deux phalanges, c'est pas hyper long, hein, surtout sur des gros pots comme ça. À la limite, même de trois phalanges. Et je plonge mon doigt doucement, délicatement, pour tester à quel niveau. Donc, quand je sors le doigt, hop, je vois que jusque là, mon terreau, il est sec. Donc, c'est un très bon indicateur. Vous voyez, il n'y a pas de terre accrochée dessus. Donc, il est sec. Donc, elle va avoir besoin d'être arrosée comme il faut. Donc, elles sont brumisées très régulièrement. Et les arrosages, en moyenne, là, on est en été, c'est peut-être un petit peu plus souvent, toutes les une semaine et demie, deux semaines. Et c'est pas une bonne référence. Hein. Chaque plante ne boit pas de la même façon. Et en plus, en fonction du terreau que vous avez utilisé, il va pas, et du pot, du contenant, il va pas s'assécher de la même façon. Donc, si vous avez des terres cuites, uniquement que du terre cuite, attention, ça s'assèche très très vite. Donc là, je peux vous dire qu'en ce moment, en été, ça va être tous les 5-8 jours d'arrosage. Si c'est en plastique, il va s'assécher beaucoup moins vite, surtout en plus quand il est dans un cache-pot avec des billes d'argile au fond. Donc là, peut-être même tous les 15 jours, ça suffira largement, parce que si vous faites en plus la brumisation régulière et quotidienne sur les feuilles,
elle va avoir quand même de l'humidité qui va tomber en surface de la terre, donc il y a un bon apport d'humidité. Il ne faut pas, surtout pas que ce soit un excès. Il faut regarder la différence. Je vais essayer de la poser là, parce que j'ai un peu. Une différence au niveau d'une plante qui aime l'humidité ambiante n'a rien à voir, par rapport à avoir les pieds dans l'eau. Il faut savoir que dans la nature, quand elle pousse, l'eau tombe, mais elle va très vite se diffuser partout dans le sol. Donc le terreau, il est légèrement humide, frais, mais jamais détrempé. Et ça, c'est une des façons de tuer une calathea au plus vite. Et c'est ce que je vois régulièrement sur les réseaux sociaux, parce que j'essaie de conseiller un maximum. Je partage beaucoup sur les réseaux sociaux, surtout Facebook, les groupes discussion. Et je vois énormément de calathea avec les feuilles complètement pliées, complètement jaunies. Alors jaunie, ça veut dire qu'il peut avoir soit manque d'eau, soit excès d'eau. Et le jaunie n'est pas le même, parce que manque d'eau, c'est souvent le bout des feuilles et elles se ferment comme ça. Mais elles peuvent aussi se fermer si elle a trop d'eau. Donc ça, c'est un point. Moi, je conseille toujours laisser sécher votre terreau sur au minimum 2-3 phalanges en fonction de la taille du pot, donc sur 2/3 avant d'arroser. Voilà, ça c'est des petits points que je voulais en parler et qui sont importants. Il faut aussi tenir compte du type d'habitation que vous avez, le lieu, la région où vous habitez, parce que les conditions ne seront pas la même, même simplement le fait de votre chauffage en hiver. Les apports au niveau de chaleur, d'humidité ne seront pas les mêmes. Automatiquement, il faut prendre en compte tout ça. Donc les plantes, c'est un travail en continu. C'est d'observation. Comme pour les animaux, comme pour tout le reste. Hein. Intérieur ou extérieur, c'est toujours la même chose. Donc intéressez-vous à vos plantes avant tout. Prenez du temps de les connaître petit à petit. Moi aussi, je fais des expériences. J'ai eu des mauvaises expériences. J'en ai des plantes qui, des fois, souffrent un peu, qui ne sont pas au top de leur forme parce que j'ai commis une erreur, je n'ai pas fait quelque chose de correct. Et donc, voilà, faut pas hésiter à poser des questions aussi. Alors attention, parce que des fois qu'on pose une question, vous avez 50 réponses différentes. Prenez le temps, en prenant toutes ces informations, d'observer par rapport à vous, ce qui vous arrive chez vous, et dire « Ah oui !» Il m'a dit peut-être trop d'eau. Oui, effectivement, ouais, j'ai arrosé 3 fois cette semaine. Ouais, peut-être c'était un peu trop. Et c'est comme ça que vous allez apprendre et évoluer. Et vous allez voir, c'est fantastique. Donc, ça, je parlais d'entretien. Les emplacements, comme je vous dis, si vous avez une salle de bain très lumineuse, c'est l'idéal. Même si après, vous en profitez que quand vous allez prendre votre douche. J'ai une bonne partie dans ma salle de bain. Et j'ai une autre partie qui est souvent derrière, où je vois dans ma pièce de vie, dans mon salon. Donc, ombragé à lumineux, aucun soleil direct. Si vous l'avez même malgré un rideau blanc en voilage tamisant, mais si vous avez un soleil qui passe à travers la fenêtre, qui est assez direct dans la fenêtre, attention, il faut l'éloigner. Au moins 3 bons mètres de la fenêtre. Parce que les calatheas n'aiment pas du tout. Les calatheas sont des plantes de sous-bois. Donc elles sont à l'ombre la plupart du temps. Elles ont très peu de soleil. Elles ont beaucoup de lumière, parce que dans les sous-bois, ça peut être très lumineux, mais sans aucun rayon de soleil direct. Donc faites très attention. Et si vous les sortez dehors pour l'arroser avec la pluie, par exemple, rentrez-les assez rapidement. Si vous l'oubliez, vous les cramez. Ça, c'est sûr. Et on voit le résultat de certaines que j'ai dans les jardineries, sur les serres, le résultat il est là. Donc elles ont besoin de beaucoup de lumière, mais il y a d'ailleurs, si vous voulez garder vraiment un vert bien éclatant, plus c'est ombragé, mieux c'est. Par contre, toutes les plantes qui ont du blanc, il faut savoir que le blanc ne fait pas la photosynthèse, donc à ce moment-là, il faut les rapprocher un petit peu plus de la lumière. C'est toujours sans soleil direct, mais toujours rapprocher un petit peu plus de la lumière pour qu'elles puissent faire leur photosynthèse et pouvoir vivre correctement. Donc plus elles ont du blanc, plus elles auront besoin de lumière, et d'ailleurs pour garder le blanc que vous aimez tant. Donc maintenant je vais vous parler de la façon comment je nettoie les feuilles très vite fait, parce que la vidéo va être très longue. Alors moi j'utilise 2 façons. Je vais amener ce que j'ai préparé.
Alors, l'eau, simplement. Mais si l'eau est calcaire, vous avez intérêt donc de la nettoyer et essuyer, à sécher directement. C'est un peu comme le calcaire sous les sanitaires, hein, les robinets et tout ça. Sinon, ça ne sert à rien, vous nettoyez et après, dès que ça sèche, il y a le calcaire qui apparaît. Donc, j'utilise des petits cotons que je vais humidifier et je vais prendre donc la feuille délicatement et je vais simplement nettoyer dessus comme ça. Toujours en appuyant à l'endroit où vous appuyez vos mains, vos cotons, vous nettoyez, vous mettez votre main. Donc, je ne sais pas si on va le voir, c'est quand même assez cracra. Oui, en plus, depuis que je l'ai acheté, elle n'a même pas été nettoyée, celle-là. Et donc, généralement, j'utilise une microfibre, c'est bien, parce que c'est très doux et ça absorbe très vite l'eau. Et donc, je vais la sécher tout simplement. Voilà. Alors, en dessous, ce n'est pas très grave. Bon, après, généralement, ça ne reste pas beaucoup d'eau, mais elle va s'évaporer assez vite. Donc, bon, voilà, votre feuille un petit peu propre. Mon autre méthode, alors j'utilise de l'huile d'olive. L'huile d'olive vierge, de préférence de bonne qualité, hein, pas de la daube. Alors, vous allez me dire, oh, quelle horreur, vous allez mettre ça, mais ça va faire une pellicule grasse, ça va boucher les pores des plantes et ça va les tuer. Ben non. Déjà, il ne faut pas faire un excès. C'est un peu comme quand vous mettez la crème sous la peau, hein, il faut éviter de mettre des plaques. Je ne vais pas beurrer la feuille, je vais simplement, alors avant tout c'est un produit naturel, c'est pour ça qu'il faut prendre de l'huile vierge, de préférence à pression à froid, c'est celle qui contient moins de produits, et on va vraiment faire très très légèrement. Donc moi je vais imbiber, donc ça c'est pas vraiment des, c'est des cotons mais on dirait plutôt des lingettes. Je les aime pas trop, donc j'essaie de me débarrasser de ça assez rapidement. Donc moi je diffuse bien sous coton, j'ai mouillé donc un petit peu. Vous voyez, donc où c'est jaune, il y a l'huile d'olive. Je mets un petit peu le PQ sous les mains, mais c'est rien de grave. Et donc vous allez prendre votre feuille, soit vous faites avec de l'eau avant et vous faites un petit nettoyage, soit vous faites directement. Je vais essayer de vous montrer une qui est assez. Je ferai une petite image en plus. Et vous nettoyez de la même façon votre feuille tout en glissant comme ça. Et alors, ce qui est génial, c'est que votre feuille, elle est lustrée. Vous allez me dire huilée. Oui, huilée. Alors moi je ne le fais pas par contre de l'envers, je ne le fais pas parce que c'est là qu'il y a le plus de pores, la fleur respire le plus, c'est pas en bas et pas par le haut. Et si vous jugez qu'il y en a un peu trop, vous avez peur que ça étouffe, bon, vous reprenez un petit chiffon et vous nettoyez l'excès. Alors je vous explique pourquoi j'utilise l'huile d'olive. Il y a d'autres méthodes, hein, l'huile de coco, tout ce qui est d'huile naturelle, végétale, c'est utilisable. Alors, l'huile d'olive a plein de propriétés pour nous les humains comme pour les plantes. Donc, pour les plantes, ça va nettoyer la plante, enlever les traces de calcaire. Bon, on le voit un peu moins, c'est jaune, mais je ne sais pas si on va le voir. Et en même temps, ça va nourrir la plante et la protéger. Il y a beaucoup de parasites qui n'aiment pas soit l'odeur, soit la texture du huile d'olive. Et donc, ils ne vont pas s'accrocher dessus, ils ne vont pas aller dessus. Je me suis aperçue que les moucherons avec leurs petites ailes fines et leurs pattes toutes fines, ben, elles se finissaient collées sur les feuilles. Donc, c'est un piège à mouches, à moucherons plutôt. Et ben, il suffit que je repasse derrière, hop, nettoyer et voilà. Donc, celle-là, maintenant, elle est un peu plus poussiéreuse parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas nettoyée, en plus on avait fait les travaux. Donc je l'ai fait sur la Triostar, je l'ai fait sur la Orbifolia, pardon, je fais sur toutes les plantes à feuilles lisses. Après tout ce qui est feuilles douteuses comme la Rufibarba, la Maranta, elle n'est pas douteuse, mais on sent quand même qu'il y a des aspérités.
Donc sur la Warzowski, pareil, elle a des feuilles velours, donc je ne le fais pas à huile d'olive et je ne le fais même pas à l'eau. En fait, je dépoussière soit avec une microfibre, soit avec une brosse très 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 douce pour enlever la poussière. Et après, je la vaporise quotidiennement. Parce que le velours va, j'ai peur que ça accroche trop la produit, la matière, et que du coup, ça soit nocif pour la plante. Donc ça, j'évite. Mais par contre, tout ce qui est plante, vous avez plein de calathea comme ça, plante avec des feuilles lisses, ça, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Donc l'huile d'olive, c'est naturel, c'est nourrissant, protège même la plante. Après, je ne sais pas si on va voir, je vous ferai des photos, je mettrai sous côté avec la différence de les feuilles nettoyées et non nettoyées. Donc faut de la patience parce qu'il y en a beaucoup, mais vous en faites une fois tous les 2-3 mois, hein. Ça suffit largement en fonction de la quantité de poussière que vous aurez chez vous, mais moi j'ai eu un peu de travaux, donc du coup j'ai eu un petit peu plus, elles sont un petit peu plus poussiéreuses, et comme ils sont pas sur des meubles, ils sont au ras du sol, donc elles se remplissent de poussière plus régulièrement, mais généralement tous les 2-3 mois ça suffit largement pour les nettoyer, et vous allez voir, ça fera que du bien à votre plante. Voilà, et je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez d'autres questions, j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je vous répondrai au plus vite, généralement dans les 24 heures je réponds à vos questions. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai montré ma collection actuelle, 15 calathea et 3 stromantes et ainsi de suite. Bref, j'en ai beaucoup. La prochaine vidéo, ça sera sur une autre espèce que j'ai chez moi. Peut-être pas en aussi gros nombre comme pour celle-là, mais ça sera avec un grand plaisir que vous en parlerez des plantes que je connais et de mes plantes favorites. Et voilà, on va terminer là pour aujourd'hui, et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce si ça vous a plu, et à partager avec le plus grand nombre. Abonner, c'est important, et cliquer sous la cloche pour pouvoir être au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Et donc voilà mes amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.